Salut tout le monde, c'est Flaria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de New World Super Mario Bros. Oui, c'est le cinquième je crois, ça se trouve je le trompe. On s'est arrêté la dernière fois dans le 2-7. On avait fait le 2-6, Urchin Seasons, donc on va partir dans le 2-7, Windward Dunes. Et j'ai peur qu'il y ait du vent. Ah ouais, ça craint, je suis sûr qu'il y a du vent là. Alors j'ai enfin mis un chrono à côté, donc j'aurais... Oh putain... Donc j'aurais pas besoin de changer de fenêtre pour voir le temps. Il y a un truc là? Non. Bon. Alors conditions de tournage. Waouh. Conditions de tournage. Il est 13h24. Je viens de manger un bon riz avec un peu de jambon et un peu de tomate. Oh, il y a un tuyau. Wait. Ah, évidemment, il fallait que ça arrive. J'ai pas tourné depuis quelques jours et il y a un souci de touche. On peut reprendre. Voilà. Donc encore un power-up hélice. Donc je viens de manger. Je vais bien. Donc il est 13h24 et je pars de chez moi à 14h. Donc j'ai le temps de tourner un épisode. Je pars de chez moi à 14h parce que j'ai un rendez-vous à ma fac pour rencontrer mon référent pédagogique. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Pour rencontrer mon référent pédagogique. Discuter avec lui de comment je sens la rentrée, etc. Le rendez-vous il va durer un quart d'heure, hein. C'est juste que la fac est un peu loin et c'est à 15h et je dois partir de chez moi à 2h, hein, pour vous expliquer un peu à quel point on est bien. Sachant que. Wow, il y a du sol en bas. Ok. Cette rentrée me hype un peu pour les cours comme pour autre chose parce que déjà il y a le serveur Minecraft qui me hype bien, enfin par rapport à YouTube. Ah, j'appuyais sur A depuis tout à l'heure, il sautait pas parce que c'est des escaliers. Attends. Ah, il y avait rien. Ah, entre les deux. Et donc du coup... Non. Du coup, oui, parce qu'il y a d'autres trucs qui me hype en dehors de YouTube. Donc il y a le serveur Minecraft, il y a ce LP là. Il y a d'autres LP qui vont arriver. Et il y a d'autres trucs. Bah, la rentrée qui promet d'être cool. Parce que la fac, c'est un nouvel univers. À ce qu'on raconte. Donc j'ai hâte d'y être pour voir comment c'est fait. Et puis j'ai pas une journée d'intégration, j'ai une semaine d'intégration carrément. Pendant laquelle sont prévus plein de trucs vraiment cool. Genre un escape game pour nous faire découvrir le campus. C'est sympa, hein, moi perso je dis pas non. Donc du coup voilà. Et puis bon, après pour les cours, j'espère juste que ça ira bien. Et troisième pièce. Alors oui, d'ailleurs, je tourne, on est le jeudi 20... Mec, j'espine ! On est le jeudi 29 août. Très certainement que... Cette vidéo sortira après la rentrée. Ou au moins pendant ma semaine d'intégration parce que c'est épisode 5 et j'ai publié à cette heure-là le 2. D'ailleurs, je pense que je vais aller publier le 3ème à la fin. Et du coup, il nous reste deux niveaux en bas. Mais on va aller faire ça, la Desert Music House. Parce que oui, comme dans le jeu original, on a deux types de maisons. Dans le jeu original, il y a les rouges et les noires. Et les vertes, pardon.
On a déjà vu les bleus, où il faut ramasser des étoiles, et là, c'est... En gros, il va falloir frapper des blocs-notes pour refaire la mélodie qui est jouée. On peut gagner jusqu'à 4 items. Ah, cette mélodie. Par contre, c'est la même chose les 4 ou... Ah non. What? Oh, c'était... ça devait être le dernier. Oh, facile. Ok. Bon, bah on a loupé un item. Je pense que je me suis trompé de bloc. Après, si on a besoin d'items, on peut toujours aller en acheter. Oui, sauvegarde si tu veux. Du coup, on va aller voir les deux niveaux qui nous restent à faire en bas. Et après, on aura le château et l'airship. Donc, il nous reste 4 niveaux et on est déjà à 6 minutes. Non, 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 pas ça. Ah, le soleil, quelle saloperie. Et en plus, dans ce jeu-là, genre, je sais qu'il est dans Mario Maker 2, mais dans Mario Maker 2, il est gentil. Hein. Déjà que dans Super Mario Bros. 3, c'était un enfer. Alors, dans ce jeu-là... dans ce jeu-là, il est horrible. Comment tu veux monter, là? Attends, what? Mais gros! What? What the pièce? Bon, tant pis. Je referai le niveau avec un power-up hélice. Ouais, quand je vous avais dit que c'était un malade... Hein. Ok. Donc oui, il a 4 attaques. Soit il tire 3 boules de feu, soit il tire en rafale, soit il te fonce dessus, soit il fait des cercles. Du coup, items. J'ai pas d'hélice. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Ah putain, mais faut juste prendre le trampoline, quoi. Je suis débile. Ah. Vas-y, par contre là le trampoline je vais pas le garder jusqu'à la fin du niveau hein, donc non, fais pas ça. Donc ce niveau je vais essayer de le rush un peu hein. Ouais, alors si c'est juste pour des pièces bleues je m'en fous un peu. Ouf. Par contre, pourquoi il m'a pas donné un power up? Je pense que je me suis fait toucher légèrement après clavier spawn, donc... Oh, Eclams! Splendide! Après, ça a l'air d'être la fin. Hein. Ok. Ouais, alors le soleil il va pas venir en caverne, j'imagine. Oh. Ah. Ah. D'accord, ouais. Donc faire ça dans les sables mouvants, tu vas te faire remonter plus vite. Y a des saloperies dans les tuyaux, non? Ouais. Ah, elle crache en plus. Fuis! Alors oui, je devais aussi préciser un truc. Sur mon serveur Discord, je vous ai mis un sondage pour savoir dans quel ordre vous vouliez faire... Enfin, dans quel ordre vous vouliez voir arriver les let's play sur Switch.
Alors, ce sondage, je l'ai appelé Ordre des LP Switch. D'ailleurs, je l'ai mis dans le channel sondage sur mon Discord. Et après, j'en ai remis un autre. Je l'ai modifié, donc j'en ai recréé un. Donc, si vous avez répondu que au premier, si vous avez répondu que au premier, et bah, retournez voir parce que. Il a été changé. Est-ce qu'il y a des trucs là ? Non. Donc, en fin de compte, ce sondage, comment il marche ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Est-ce qu'il y a un truc en haut de la grande chute ? Non. Je vais voir quand même au milieu. Mais en gros, ce sondage, donc il y a 7 jeux disponibles. Et vous votez pour celui que vous voulez voir arriver en premier. Il y a un truc. Et après, je prendrai. Dès que je pourrai record sur Switch, je prendrai l'ordre des votes. Et celui qui aura plus de votes, je le ferai en premier. Et celui qui aura le moins de votes, je le ferai en dernier. Et ça ira par ordre décroissant de votes. Du coup, que j'apporte des précisions parce qu'on m'a demandé. Parce que du coup, les 7 jeux sont, et je vais dire dans l'ordre, et je vais dire ce que je ferai en LP sur ce jeu ou ce que je ferai pas. Du coup, on a Hyrule Warriors Definitive Edition, où je ferai le mode, enfin le mode, nommé le mode légende, mais c'est le mode histoire quoi. Voilà. Par contre, je sais que genre sur le mode légende, tu as pour alors j'ai joué, je l'ai pas fini, mais j'ai joué. Et tu t'as plusieurs comment ? Oh mince, pardon. T'as des lignes d'histoire dérivées quoi. C'est t'as la ligne de l'histoire principale avec, enfin t'as la ligne de niveau principal et après t'as des lignes secondaires on va dire. Je ferai tous les niveaux. 2-9 Pillar Pass. Et je pense qu'il y a une sortie secrète parce qu'en dessous de ce niveau il y a un tuyau. Par contre, les Sledge Bro, j'aime pas. Hein. Enfin, les Fire Bro et les Sledge Bro, j'aime pas. Donc, en gros, Hyrule Warriors, je ferai le mode légende uniquement, mais le mode légende, je le ferai à fond. Ça craint, ça craint. Ok, il y a un passage en bas. Attends. Il y a un passage en bas. Est-ce que par là tu passes ? Pièce. Du coup, voilà. Ensuite, Breath of the Wild. Ah, j'ai vu un. Elles sont cramées vos briques, les gars. Fallait les faire plus discrètes. Breath of the Wild, on a. Zelda Breath of the Wild. Alors, j'ai les DLC. Enfin, j'ai acheté le pass d'extension. Du coup, j'ai les deux DLC. Et vu leur date de sortie, j'imagine qu'il n'y en aura pas un troisième. Donc, je ferai le jeu avec, globalement, on va dire, tout ce qu'ils proposent. Mais je le ferai clairement pas à 100% parce que les 900 noix Korogu... non. Hein ? Ok. Donc, voilà. Je le fais avec les DLC Breath of the Wild, mais pas à 100%. Parce qu'il y a trop de choses. Et j'ai pas envie de faire un LP de 300 épisodes. Abusé. Surtout que j'ai très peu d'expérience sur Zelda. Ça, vous le savez, hein, parce que de toute façon, j'ai. Bon, je vais le redire pour ceux qui n'étaient pas là, mais. J'ai joué à Breath of the Wild, mais je pense que je suis à 1/8 du jeu. Et quand j'y jouais, j'avais pas les DLC, j'ai pas avancé depuis. Depuis que j'ai les DLC, j'ai pas avancé. Mais en gros, je pense que je suis. Genre. Ouais, je pense que je suis à bien 1/10 du jeu. Du coup, pour ceux qui connaissent le jeu, je me suis arrêté au village des limites en fait. Je suis pas allé plus loin que le village des limites. Et encore, non, je suis arrivé au village des limites, c'est tout. Du coup, Breath of the Wild, ouais, le seul Zelda auquel j'ai touché, bah je l'ai pas fini. Ah si, j'ai fini Skyward Sword une seule fois et c'était en 2013, donc j'imagine que l'expérience Zelda que j'avais acquise en finissant Skyward Sword, je l'ai perdue.
parce que je me souviens de rien, hein. Je me souviens de l'histoire du jeu, c'est tout, hein. Je me souviens de certaines quêtes secondaires, mais globalement je me souviens de la manière dont ils jouaient, mais je me souviens pas de ce que ça m'avait apporté en y jouant, si ce n'est que c'était le... C'est le premier Zelda chronologiquement parlant, même si on sait que la timeline Zelda... apparemment elle est un peu chaotique, mais... tant pis. Du coup, voilà, donc Breath of the Wild... Si vous le décidez, là je vous laisse le choix avec ce... Là, je vous laisse le choix avec ce sondage, donc... C'est votre choix, c'est vous qui décidez, vous avez les clés de ma chaîne pendant 2 secondes. Si vous voulez me voir sur Breath of the Wild... Waouh, il y a eu un freeze. Si vous voulez me voir sur Breath of the Wild... Ok. Ah. Est-ce que c'est une pièce ou la sortie secrète? En fait, s'il y en a une, hein, je sais même pas. Ok, pièce. Oh! Dis-moi que je peux retaper la plante. Merci. Du coup, je vais réussir à parler. Breath of the Wild, je ne promets pas de... Disons rien de qualitatif. Quant à Breath of the Wild. Puisque je risque de faire vraiment n'importe quoi, étant donné que je connais pas bien le jeu. Ça, c'est ce que je me disais, mais du coup, en fait, je pense que je vais faire la quête principale. Point. Ça vous décevra peut-être, et j'en suis désolé, mais... genre, elle avait tiré, quoi. Ça vous décevra peut-être et j'en suis désolé, mais j'ai pas assez d'expérience sur Zelda. Pour A, A. Oh. Oh non! Ah! Oh salope! Oh putain. Ridicule! J'ai un checkpoint. J'ai pas de checkpoint. J'ai pas de checkpoint. Ah si. Ouais, bon, du coup, voilà. Donc Zelda, Breath of the Wild, c'est encore apprendre avec des pincettes. Quand je dis que je ferai que la quête principale, j'espère que non, mais à voir, quoi. Ça se trouve... Si ça se trouve, si. Ensuite, on a Mario Kart 8 Deluxe. Alors là... Mario Kart, j'ai des potes qui avaient voté sur le premier sondage pour Mario Kart parce qu'ils voulaient en faire avec moi. Mario Kart, j'en ferai en stream et il y en aura sur la chaîne secondaire et voilà. Ce qui sera en LP sur la chaîne principale, enfin le let's play que je ferai sur Mario Kart 8 Deluxe, ça sera les Grands Prix solo. Ça sera les... Oh. Les Grands Prix solo. Toutes les coupes, donc les 48 courses qui sont en 12 coupes. Ouais, c'est ça. 12 coupes, donc 48 courses. Je vais aller voir en bas. Je pense que c'est la sortie secrète, mais... si ça se trouve, il n'y a pas de sortie secrète et c'est qu'une zone bonus, hein, mais... Allez, allez, voilà. Mais du coup, ah bah si. Du coup, j'ai envie de voir où ça nous mène. Du coup, voilà, donc il y aura toutes les coupes dans tous les modes. Donc 50, 100, 150, 200 et miroir. Mais voilà, ça sera que du solo, le let's play. Après, j'en ferai des streams et il y en aura sur la chaîne secondaire. Est-ce que c'est un monde bonus? Le monde B peut-être. Alors, on se souvient des temps de chargement sur l'émulation, c'est pas ouf. Ou alors c'est vraiment mon PC. Ensuite, on a Pokémon Let's Go
Evoli. Alors, Pokémon Let's Go Evoli. Ouais, c'est ça, c'est le monde B. Donc, encore une fois, on va pas le faire. Donc, Pokémon Let's Go Evoli, c'est quoi le problème? C'est que. Pareil, je le ferai pas à 100%. Et. Je l'ai pas fini. Voilà. Mais pour Pokémon Let's Go Evoli, j'aimerais quelque chose. Je sais pas quand je l'aurai. Je pense dans longtemps, mais. Voilà. Bah après avoir, mais. Ouais. Alors. Ça m'en fout si ça fait un peu durer l'épisode. On va. Je vais boucler ce niveau. Sortie normale. Et du coup, dans le prochain épisode, on fera Château, Airship et. On entamera le monde 3 qui est, si je me souviens bien, un monde montagneux. Carapace à la con. Du coup. Du coup, voilà. Ensuite, on a. Le préféré de tous les gens qui me regardent et qui regardent aussi les Ocarina Knights, Splatoon 2. Alors, Splatoon 2. Au risque de me répéter comme je l'ai fait sur Discord et au risque de décevoir, ce qui sera fait en LP, c'est le mode solo de Splatoon 2, où il y a Oli qui nous parle et où on doit faire les niveaux dans l'Octa Canyon, etc. Le mode solo, quoi. Le mode héros, il s'appelle, je crois. Du coup, pareil, Splatoon 2, j'en ferai en stream et il y en aura sur la chaîne secondaire. Mais en LP, je me tiens vraiment à la partie aventure. Putain, ouais, la sortie secrète, elle est vraiment à la fin du niveau, quoi. Et pour finir, on a Super Mario Odyssey. Là, il n'y a qu'un seul mode, c'est le mode histoire. Et Mario Odyssey, je le ferai à 100%, donc il sera long. Parce que il faudra choper toutes les lunes. Et on peut débloquer toutes les lunes d'un monde. Enfin, on ne peut avoir accès que... qu'à la version complète d'un monde, donc à toutes les lunes, qu'après avoir fini le jeu, qu'après avoir bouclé la lune en fait. C'est après avoir bouclé la lune qu'on peut avoir toutes les lunes d'un monde. Parce que quand on arrive dans le monde, il y a des lunes, dans le pays par exemple, quand on arrive dans le pays, il y a des lunes. En bouclant tous les objectifs de ce pays, il y a des lunes qui se rajoutent. Et en bouclant le jeu, en terminant la lune, il y a des lunes qui se rajoutent. Donc... avec le rocher. Donc du coup, voilà, Mario Odyssey, je le ferai à fond, donc il faudra que je débloque toutes les, évidemment toutes les lunes, mais il faudra aussi que je fasse des trucs de 100% que je ne ferai pas en vidéo parce que c'est trop chiant. J'en ferai peut-être des streams, mais à voir. Il faudra que je débloque toutes les musiques, il faudra que j'achète tous les souvenirs dans toutes les boutiques. Enfin, il faudra que j'achète tout ce qu'il y a dans la boutique jaune. Il faudra que j'achète tout ce qu'il y a dans toutes les boutiques violettes. Bref. Mario Odyssey, il va être long parce que je le ferai à 100%. Donc voilà, voilà les 7 jeux que je ferai sur Switch à un moment ou à un autre, enfin que j'ai actuellement, que je ferai sur Switch, parce que si vous regardez la Google Sheet avec mes envies de LP, le tableau de Switch est beaucoup plus long que ça, hein. Mais pour l'instant, c'est ça les 7 jeux que j'ai. J'en ai oublié un. Allez, tu sais quoi? Ouais, si. On va dire que j'ai le temps, mais faut pas que je tarde trop. En gros, un dernier jeu que j'ai pas encore, mais qui arrivera en octobre. Je l'ai rushé un peu. Hein. Qui arrivera en octobre, c'est Super Mario Maker 2. Et là, pareil, Mario Maker 2, je ferai le mode histoire... Oh, merde. Je ferai le mode histoire et uniquement le mode histoire en LP. Comment? Je ferai des streams avec vos niveaux sur la chaîne secondaire et il y aura des vidéos sur la chaîne secondaire avec avec vos niveaux. Donc ce niveau part sur des fossiles. Alors oui, j'essaye de le rusher hein, parce que j'ai clairement pas envie de me mettre en retard, mais... Ça ouvre là.
Oui. Donc voilà. Mais donc oui, donc sur la plupart des jeux, il y aura aussi du contenu sur la chaîne secondaire. Donc ne soyez pas déçus. Sur les jeux où il y a du online comme Mario Kart et Splatoon, je jouerai avec vous, mes copains qui regardent cette vidéo, et je jouerai avec vous les subs. Mon code ami est en description de ma chaîne YouTube et il est dans la description, enfin il est dans l'onglet à propos de ma chaîne. Et il est aussi dans la description de la vidéo unboxing de la Switch. Donc, vous pouvez m'ajouter, il n'y a pas de problème. Et la suite, elle est là. Ok. Je suis un peu en mode contre-la-montre là, mais. Non! Oh! Il y avait la troisième pièce derrière. On ira la chercher au début du prochain épisode. J'ai pas le temps là. En vrai, c'est très débile ce que je fais. J'aurais dû m'arrêter. En vrai, comme j'avais encore des trucs à vous dire, j'ai voulu continuer. Oh, j'ai 10 minutes. J'ai 10 minutes encore. J'ai 10 minutes avant de partir. J'ai pas vraiment envie de refaire le niveau. Ok, donc faut faire comme dans la tour, sauf que là il y a plus de couches. Ouais, c'est mieux de le faire tomber là parce que. Tombe! Non! Ah, j'y crois pas, j'y crois pas. Pas sérieux. Ok. Putain, that rush. Ce boss est chiant en vrai. Enfin, il est pas chiant, mais. Il est plus complexe qu'il n'y paraît. Yes! Got him! Ah oui. Et c'est pas fini. Je l'ai ouvert de super loin la porte. Je savais pas qu'on pouvait l'ouvrir d'aussi loin. Oui, ok, Kamek, on sait. Yes! 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 Plus jamais je tombe dans ces conditions-là. Save!
Ok, et eh ben du coup on va s'arrêter là pour cet épisode, désolé de l'avoir fini en rush. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voter pour le sondage de la Switch, le lien est en description avec tous les autres liens. Du coup voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, allez bye bye.